Ah oui, en première mi-temps, on a maîtrisé le ballon, on s'est créé des situations, on a manqué l'efficacité. Après, sur la deuxième mi-temps, pareil, c'était pareil. On jouait à notre rythme et au moment où on fait le changement, y a eu un coup d'éclat. On est parti en contre-attaque. Et on leur a fait très mal, quoi. Et après, dans leur jeu direct, derrière, à nouveau, ils ont mis en difficulté parce qu'on avait dit deux, trois fois, on n'attaque pas le ballon et on le laisse rebondir. Ils ont eu deux, trois situations, quoi. C'est un match qui te déçoit sur la finition, peut-être, hein, pendant la Non, il ne me déçoit pas du tout. Je suis très content du contenu de notre match. Après, on a manqué d'efficacité offensivement, mais dans la préparation, dans l'utilisation du ballon, voilà, dans la préparation de nos actions, ça a été très très bien. Quatre victoires de suite, vous êtes sur le podium, c'est significatif ou c'est anecdotique pour vous le podium ? Non, on est un bon ratio aujourd'hui de points. Voilà, on a pratiquement deux points par match. Le principal, c'était de gagner ce soir. Et samedi prochain, on a un match très difficile contre Paris. Voilà, à nous de continuer à travailler comme l'équipe, le groupe le fait actuellement pour engranger des points. C'est le principal. Pétard semblait plutôt se diriger vers un départ à l'intersaison. Qu'est-ce que ça peut changer pour lui ce but ? Est-ce que ça peut être un déclic ? Ben, j'espère que ça va lui donner encore un peu plus de confiance. Voilà, il travaille bien à l'entraînement, il se donne à fond et voilà. Il a eu le mérite de bien rentrer et de bien finir l'action qu'on a développée pour nous mettre le but. Est-ce que tu es un peu surpris par la position que vous occupez après 12 journées, assez significative ? Ben, on a fait une entame à Rennes difficile, mais il nous manquait beaucoup de joueurs. J'avais pas d'attaque. Et on a eu des joueurs qui avaient le Covid, il y avait des blessés. Après, on a fait une semaine avec trois victoires d'affilée contre Lyon, Nice et Angers. Voilà, trois équipes qu'on craignait. Et ça nous a bien mis dans le droit chemin pour enchaîner une septième victoire ce soir. Ouais. Non, les idées, c'est qu'on continue à travailler comme on le fait actuellement et de chercher à être encore meilleur tous les matchs et être efficace parce que, comme chaque saison, les équipes qui sont dans le haut de classement en fin de saison, c'est les équipes qui sont constantes dans les performances et il faut en gagner beaucoup de matchs encore. On va arriver à peine à un tiers de la saison. Ben, si on n'a pas de bobos, si on n'a pas des joueurs qui nous quittent à la trêve, j'espère qu'on va continuer avec ce groupe et qu'on continue à travailler et mettre l'état d'esprit qu'on affiche pour ramener des points encore. Hein. Cette équipe-là a un potentiel pour jouer cette place. Cette équipe, elle a du potentiel pour bien jouer au ballon et c'est ce qu'on fait bien actuellement. Le fait que ce soit les remplaçants qui fassent la différence, je pense que c'est un bon signe pour vous et pour le groupe. Mais c'est toujours ce qu'on répète aux joueurs, ceux qui sont sur le banc, on comprend qu'ils soient déçus. Parce qu'on a été joueurs, on sait que quand on est sur le banc, on n'est pas content. Et après, quand on fait appel à eux, il faut qu'ils répondent avec du positif en se préparant bien mentalement. En s'échauffant comme il faut pour rentrer vite dans un match, parce qu'on sait que c'est difficile de rentrer dans un cours de match et d'apporter du positif. C'est bon ? Est-ce que Montpellier peut faire tomber Paris ? Ben, j'espère. Pourquoi pas ? Il y a d'autres. Lens les a fait chuter. Il y a d'autres équipes qui les ont fait chuter en début de saison. Ils ont perdu trois fois, non ? Comme nous. Tout est possible au football. Après,
Après, on sait qu'ils ont des joueurs individuellement qui sont au-dessus des nôtres. Mais au football, c'est une équipe qu'on gagne. Après, bien sûr qu'eux, ils ont des joueurs qui sont capables à tout moment de tuer un match. On l'a vu hier soir, en une minute, ils ont mis deux buts. Et ils se sont fait accrocher quand même. Hein. Pardon ? Ben, j'espère qu'ils vont continuer à faire un bon résultat. J'espère pour eux qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions en faisant un bon match. C'est mercredi qu'ils jouent. Parce que s'ils jouent comme ils ont joué hier, ils vont avoir un peu plus de difficultés, je pense. La victoire aurait été plus large ce soir, selon vous ? Sur la première mi-temps, je pense qu'on aurait pu être plus efficace et entre le pénalty qu'on manque et les situations qu'on a eues, je pense qu'on aurait pu revenir à 2-0 à la mi-temps. Mais le football, c'est pas avec des si. Hein. Il faut marquer des buts. Quand on a les situations, il faut les mettre au fond. Il faut être efficace. On l'a pas été, mais on l'a été en deuxième mi-temps parce qu'on a marqué le but qu'il fallait. On s'attendait à ce que Lorient nous bouscule beaucoup plus. Je m'attendais à ce qu'ils nous pressent plus vite, plus haut. Ils nous ont laissé le ballon. Vous